mes amis les scorpions, donc nous allons procéder au tirage des cartes pour ce mois de décembre 2019. D'abord, nous allons évoquer votre pierre de ce mois de décembre 2019, mes amis les scorpions. C'est la turritelle. Alors, la pierre turritelle, je la possède pas, je peux pas vous la montrer, mais c'est une pierre qui a un aspect comme si elle avait des petits coquillages dessus. Voilà. C'est une pierre qui, comme le jaspe jaune, se raccroche au plexus solaire. Voilà. C'est une pierre qui favorise la reconnaissance professionnelle, la signature de contrats, par exemple, les échanges d'argent. Elle s'adresse plutôt aux professions commerciales. Voilà. Mais enfin, c'est la reconnaissance professionnelle, c'est le progrès dans ce que vous faites dans votre travail. Donc, pour ceux qui n'ont pas de travail, alors pour ceux qui n'ont pas de travail parce qu'ils font le choix de ne pas travailler, par exemple, dans un domaine salarié, c'est pour celles qui s'occupent de leur famille, par exemple, bah, ce sera une reconnaissance plus grande de votre famille. Hein. Voilà, une grande réussite pour votre famille. Qui sera provoqué par vous. Pour ceux et celles qui sont bah, dans un rapport salarial, bah, ça sera peut-être une promotion. En tout cas, ce serait une reconnaissance, ce sera peut-être une augmentation. Enfin, voilà. En tout cas, du plus, du mieux dans votre cadre professionnel. Et pour ceux qui sont dans un cadre d'une profession libérale, eh bien, voilà, vous allez sortir du lot. Vous allez avoir les phares sur vous. Voilà, la lumière sur vous. Si vous êtes dans une profession libérale. Et puis si vous cherchez du travail, eh ben, vous allez probablement en trouver. Ou en tout cas, vous allez avoir des pistes très très sérieuses qui vont vous permettre d'évoluer. Ou peut-être que vous allez enfin avoir une formation qui va vous permettre ensuite pour déboucher sur un emploi. Donc voilà, en tout cas, sur ce mois de décembre, pour les scorpions, c'est plutôt un éclairage par cette turritelle que je vous encourage à aller découvrir hein, sur Internet. De la tête qu'elle peut avoir une turritelle, c'est une pierre, on dirait qu'il y a des petits coquillages qui sont accrochés dessus. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, plutôt une reconnaissance professionnelle. Voilà, mes amis des scorpions, donc nous allons maintenant procéder au tirage de l'oracle de G pour le mois de décembre 2019. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez, vous les scorpions, hein, dans votre globalité? Pour ce mois de décembre. Eh bien, ce que vous voulez, c'est de la prospérité. Voilà. Et c'est de ça que vous parle également votre pierre à la turritelle. Donc, de la prospérité, de la fécondité sur tous les plans. Voilà. Bah, je te parlais tout à l'heure de celle qui ne travaille pas et qui crée une famille. Bah, c'est peut-être ça. Voilà. Pour ceux qui cherchent du boulot, bah, en tout cas, quelque chose qui va les rapprocher du travail. Et en tout cas, voilà. Ce que vous voulez, vous, c'est de la fécondité, c'est de la production. Eh bien, c'est de ça que vous parle ce mois de décembre. Et qu'est-ce que vous allez obtenir? Eh bien, vous allez l'obtenir. Vous allez obtenir ça. Voilà. Ça, c'est un message de paix, d'abondance, de sérénité. Eh bien, ce mois de décembre, mes amis les scorpions, c'est ça qu'il va vous apporter. Voilà. Alors maintenant, nous allons procéder au tirage en étoile, donc comme je rappelle à chaque fois, donc dans l'oracle de G, donc nous avons le tirage suivant. Donc ici nous allons tirer la fin du mois de novembre, d'où nous sortons pour ce mois de novembre. Ici le début du mois de décembre, ici sur quoi aboutit le mois du décembre. Ici c'est les moyens ou les obstacles qui risquent de vous arriver, ici les actions que vous allez concrètement entreprendre et ici la surprise. Donc voilà, donc on va faire le tirage jusqu'au bout sur chacun des points. Et puis nous allons pouvoir voir quel est le message de l'oracle pour mes amis les scorpions pour ce mois de décembre 2019. Voilà. Alors, à la sortie de ce mois de novembre, on est comment? On est comment? Eh bien, on se pose des questions, on a des doutes. Voilà, au mois de novembre, on ne se sentait pas forcément à la hauteur. Voilà, on avait l'impression que tout le monde nous jalouse, nous envieux de quelque chose. Voilà, on a rien fait pour ça, mais voilà. Mais c'est ce qui nous arrive sur ce mois de novembre. Eh bien, le mois de décembre, sur quoi il nous emmène hein, avec le début du mois? Eh bien, sur quoi il nous emmène? Eh bien, sur le fait que vous allez recevoir un cadeau. Un cadeau de quelqu'un de plus âgé que vous. Un cadeau de sagesse, un cadeau de sagesse un peu exotique, un peu étrange, que vous aurez peut-être du mal tout de suite à interpréter, mais
accueillez ce cadeau, d'accord? Ça va vous aider, d'accord? Ça peut paraître bizarre, ça peut venir de quelqu'un que vous attendiez pas. Si vous êtes quelqu'un de plus jeune et que vous avez encore vos parents, etc., ou même quelqu'un de plus âgé qui a encore ses parents, vous allez trouver ça bizarre, hein, peut-être ce qu'ils vont vous dire. C'est peut-être un cadeau réel, physique, mais ça peut aussi être un cadeau de sagesse, mais de quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas, quelque chose qui est en dehors du champ habituel de la personne qui va vous faire ce cadeau. D'accord? Donc ce mois de décembre, voilà, démarre par un cadeau auquel vous attendez pas, un cadeau qui vous paraît un peu étrange, mais qui est un cadeau de sagesse. Du coup, sur quoi va déboucher ce mois de décembre? Eh bien, je parlais tout à l'heure des professions libérales, je parlais que ça parlait, ce mois de décembre, c'est sur votre travail, hein, donc sur ce que vous faites, ok? Ce qui vous permet de produire, hein, donc un travail, c'est quelque chose d'assez large, voilà. Voilà, et bien ça va vous permettre de trouver la bonne voie. On célèbre quelque chose, on parlait tout à l'heure avec la tutelle de reconnaissance professionnelle, de signature de contrat, d'échange d'argent. Et bien voilà, c'est le mois de décembre. Un contrat, un truc, voilà, un gain, une promotion, une reconnaissance, je ne sais pas, une ménage du travail par exemple, ou enfin voilà, quelque chose de positif et qui en plus vous ouvre, enfin voilà, on avait vu là, un peu de doute, un peu de jalousie, voilà, c'est bon, c'est droit, on y va, ça va bien se passer. En plus, on a bien vu là-bas un cadeau, un cadeau, un cadeau de début décembre, un cadeau peut-être intellectuel, peut-être un cadeau, peut-être un conseil, une sagesse, quelque chose qui est en dehors de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Hein, d'accord, qui va venir de quelqu'un qui est plutôt âgé, plus âgé que vous, qui a plus d'expérience en tout cas que vous, d'accord? Voilà, et bien ça va vous permettre d'avancer, de vraiment vous centrer et d'avoir du positif, ok? Par quels moyens cela va arriver? Quelles sont les choses qui vont venir vers vous? Alors, vous allez avoir l'impression que c'est très lent. En fait, on vous fait un cadeau et ce cadeau est tellement étrange que vous ne comprenez pas tout de suite que c'est un cadeau. D'accord? Donc pour vous, au début, c'est un peu, on tâtonne, on peine sur ce chemin et tout. Mais voilà, donc le mois de décembre qui va aboutir sur du bon, vous avez l'impression qu'il est long, long, long ce mois de décembre. Mais il débouche sur de la reconnaissance. Sur de la reconnaissance sur ce que vous faites. D'accord? Quand je parle de professionnel, c'est ce que vous faites, d'accord? Peu importe ce que vous faites, d'accord? C'est sur ce que vous faites. Voilà. Continuez à le faire. Écoutez ce conseil avisé, cette chose qui vous paraît un peu étrange. Ça va vous permettre d'avancer. Oui, le mois de décembre va être pesant, d'accord? Mais ce n'est pas vrai, d'accord? Voilà. D'ailleurs, en termes d'action, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, et ben vous allez changer quelque chose, changer un arbitrage, d'accord? Changer un arbitrage par rapport à quelqu'un. C'est pour ça, ça vous paraît pesant parce qu'en plus il faut changer, il faut rompre avec quelque chose, il faut changer la vision que vous aviez de quelqu'un ou voilà. Donc oui, mais écoutez, écoutez ce truc étrange là qui va vous être offert en début du mois. Écoutez-le, digérez-le. Ah oui, vous allez avoir besoin de tout le mois pour le digérer, mais ouais, mais ça va aboutir à du positif, d'accord? Mais l'action qu'on vous demande est compliquée, d'accord? Elle est compliquée, elle est difficile. C'est une rupture, c'est un changement de jugement sur quelqu'un, sur quelque chose, sur ce que la personne fait ou comment vous faites avec elle et tout. Ouf, ouf, ouf. Donc, ouais, ça va être lourd, ça va être long, ça va être dur. Enfin, le mois de décembre dure qu'un mois, hein, donc voilà. Et ça va aboutir à du bon, à du positif. Quelle est la surprise de ce mois de décembre? Alors, quelle est la surprise de ce mois de décembre? La surprise de ce mois de décembre. Alors, eh ben, la surprise de ce mois de décembre, c'est que foufou, il y a des trucs qui vous rongent, vous méfiez, etc. Mais comme tout à l'heure, on avait vu ici que c'était quelque chose de
différente de ce que vous avez l'habitude, de plus étrange que vous, eh bien, faites-vous plaisir. Faites quelque chose d'artistique. Faites quelque chose de plus léger. Faites quelque chose qui soit dans un domaine plus abstrait de ce que vous avez l'habitude. Et c'est ça, c'est que il y a cette pesanteur-là que vous ressentez. Il y a cette changement, ce changement de jugement, cette rupture-là que vous avez à faire. Hein. Il faut la faire. Hein. C'est dur. Eh bien, ce qui va vous aider, parce que ça vous ronge, hein. Puis alors vous vous méfiez, tout ça, ouf. Ce mois de décembre, voilà, ok, c'est du pro, hein, c'est sur ce que vous faites, hein, c'est sur de l'action, c'est sur du hard, hein, c'est du concret, hein, c'est voilà. Et bah relaxez-vous, quoi. Faites-vous plaisir, changez-vous les idées, ça va vous aider, d'accord? Parce que de toute façon, le mois de décembre aboutit sur de la reconnaissance. Sur de la reconnaissance, d'accord? Sur tous les plans. De ce que vous faites, d'accord? C'est pas du sentimental, hein. Là, ça nous parle vraiment de votre travail, de ce que vous faites, de ce que vous faites de vos mains, de ce que vous faites avec vos têtes. Enfin voilà, ça nous parle du faire, de ce qui est probablement votre source de revenus, voilà. Et ça nous dit, ça va aller, hein, ça va aller. Le mois de décembre va paraître un peu difficile pour les Scorpions, mais au final, ça va aboutir sur du positif, sur de la reconnaissance. D'accord? Voilà, donc ça c'était le tirage de l'oracle de G. Maintenant nous allons voir ce que vous disent vos anges gardiens. Je vous rappelle que vous avez tous des anges gardiens, nous avons tous des anges gardiens. Je vous encourage à aller découvrir quel est votre ange sur Internet, sur les différents moyens. Voilà, vous regardez, hein, c'est pas un problème. Voilà, nous avons tous nos anges gardiens, nous en avons toujours un, parfois deux, même très souvent deux. Voilà, et donc, bah, il suffit de leur demander aux anges, parlez-leur à vos anges, ils sont là pour vous guider, pour vous aider, ils sont là à votre écoute. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Pour le mois de décembre, ils disent, alors, attendez, excusez-moi. J'ai un petit peu de mal à lire parce que j'ai pas assez de lumière. Je suis vraiment, vraiment confuse et désolée. Alors, il dit, nous prenons soin de vos êtres chers dans ce monde-ci et l'au-delà. Voilà, vos anges sont là. Ils s'occupent de votre famille et vous, allez-y, foncez sur votre aspect pro, sur ce que vous faites. D'accord? Et puis surtout, les anges, faut leur parler. Si vous parlez à vos anges, ils vous aident. Merci beaucoup, mes amis Scorpions. Très bon mois de décembre 2019 et nous nous retrouvons en 2020. À bientôt. Au revoir.